que ce matin, on a enlevé les rétrécisseurs de portes. Il y avait des petits bouchons là au niveau des portes. On avait des bambous qui rétrécissaient. Comme vous voyez, alors là-haut, c'est enlevé aussi. Ici, c'est enlevé. Et puis en bas, c'est pas enlevé le rétrécisseur de porte. Donc là, la porte, elle fonctionne, mais elle est un petit peu réduite. Alors aujourd'hui, on voit qu'elles sont super contentes. Elles sont à fond avec leur nouvelle porte là. Et parfois, comme ça bouchonne un petit peu sur la gauche là, je vois qu'il y a des petites là qui arrivent avec le pollen. Elles se précipitent dans la petite porte à droite. Enfin, si vous avez vu, hein, c'est vraiment drôle quoi. Elles ont repéré qu'à gauche, bof, c'était pas très très facile de rentrer. Alors elles se précipitent là sur la porte de droite. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah oui, là on la voit. Alors elle court, elle court, elle court. Hop, voilà. Je vais zoomer un peu. Alors il y a du pollen de toutes les couleurs, du orange, du jaune. C'est la fête. Voilà, je refais une petite image là où on voit bien les rentrées de pollen. La précipitation à cette porte là, toutes les petites abeilles arrivent. Avec du pollen blanc, du jaune, du orange, toutes les couleurs, c'est merveilleux. Il y a une abeille même qui bat le rappel là, qui envoie les phéromones. Elle se pousse parce qu'elle gêne un peu les autres. Alors, on est le 14 mars. Et c'est la grande affluence là, à la ruche. On a retiré les rétrécisseurs de porte. Les abeilles aient un petit peu plus de place pour entrer. Alors, on va dézoomer. Voir un petit peu l'activité qu'il y a ce matin. Je les entends, elles bourdonnent derrière ma tête parce que je les gêne un peu pour arriver à la ruche, là. Elles me disaient, oh, dis donc, tu t'en vas, là. Tu me déranges. Bon, c'est la fête à la ruche aussi, ici. Ah, belle activité, hein. Ouais, elles arrivent de partout. Et de l'autre côté de la grange, ici, on a les osmies. Alors, vous voyez, là, elles sont nombreuses aussi à voler devant les nichoirs. Je dis elles, mais c'est beaucoup de mâles, des petits mâles osmies là, qui sont nés les premiers. Et ils sont contents, 14 mars, ça fait déjà un petit moment hein, qu'il y a des naissances dans les nichoirs d'osmies, mais là, une activité comme ça, c'est les jours de grand soleil qu'on voit ça, c'est super. Hein. Alors ça peut paraître impressionnant parfois, quand on n'a pas l'habitude, mais c'est pas dangereux, c'est juste qu'il faut s'emballer un peu la tête pour pas avoir des abeilles qui se prennent dans les cheveux. Alors on va regarder à nouveau la ruche de l'autre côté. Alors on va aller voir un peu plus près. La belle activité. Et je vais monter à l'escalier pour voir s'il y a des entrées de pollen. On verra mieux de là-haut. Là, je suis montée en haut de l'escalier. Donc là on voit les abeilles arriver à la ruche. On peut voir bah, qu'il y a beaucoup de pollen aussi qui arrive aux pattes des abeilles. C'est super. 14 mars. On peut dire que c'est la visite de printemps là. Visite extérieure. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la ruche pour voir que la ruche elle est en pleine forme. Et les petites pelotes de pollen qu'on voit là arriver, eh bien, ça nous donne une indication que la reine pond à l'intérieur de la ruche. Et qu'elles apportent de la nourriture pour nourrir les petits. Bon, ça, c'était un essaim qu'on avait vu arriver l'année dernière. Au mois de mai, qui était arrivé tout seul dans cette ruche. On n'a rien fait, pas d'intervention, pas de nourrissement, d'aucune sorte. Elles sont autonomes, elles se débrouillent.
Donc c'est une ruche où on ne récolte pas de miel. Je vais faire une petite prise de vue aussi sur les nichoirs à housemie, là qu'on voit là-bas. Vous voyez, ils sont en face. Ils habitent de l'autre côté. De l'autre côté de la rue. C'est beau, hein. Ça se côtoie, tout ça se côtoie bien. Les petites abeilles solitaires qui font pas de miel en face de la ruche qui fait du miel. Comme vous savez, c'est une ruche refuge. Et donc, le miel ici, c'est pour les abeilles. Voilà. Donc en face, on a les petites mémères là qui rapportent leur petite provision. Bon, je ne vais pas les déranger trop, hein. Ils doivent se demander un peu qu'est-ce que c'est que cette visite. Vous voyez, là, je suis quasiment collée à la porte. Il n'y a pas du tout d'agressivité. Ils savent très bien que je ne vais rien chercher dans la ruche. Allez, les filles, ben, bon courage, belle journée, hein. Aujourd'hui, c'est le plein soleil, beau soleil dans le jardin. Voilà. Thank you.